domaine Jean Fournier, Marsannay-la-Côte. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 17 hectares de vignes, principalement sur Marsannay, un petit peu Fissin, Côte de Nuit-Village et Gevrey-Champagne. Et notre fief, on va dire, c'est le nord de Marsannay. Nous sommes en agriculture biologique certifiée depuis 2004. L'appellation Marsannay donc, se répartit sur trois communes, Couché, Marsannay-la-Côte et Chenauve. Et il y a une grande différence entre les deux coteaux, on va dire, sud, celui de Couché et celui qui surplombe la commune de Marsannay-la-Côte, et le coteau de Chenauve, avec au milieu une sorte de basculement, on peut dire, trois grandes combes qui arrivent quasiment au même endroit et qui génèrent, donc, sur la partie, on va dire, basse, sur la partie est, une zone assez plate, mais très caillouteuse, et qui donc génère une zone viticole très, très favorable, bien qu'assez plate. Les Longerois ont pour particularité de commencer quasiment plein est et de finir quasiment plein sud. Au domaine Jean Fournier, on assemble les différentes expressions des Longerois, souvent caractérisées par un vin avec beaucoup de largeur, un vin qui a beaucoup de volume, orienté sur des arômes de fruits noirs, un vin qui va avoir un caractère presque un peu sanguin en bouche, c'est-à-dire quelque chose d'assez rond et qui finit souvent sur une minéralité un tout petit peu dynamique. Clos du Roy, le coteau est exposé plein est, généralement plus pentu, mais comme c'est exposé plein est et à l'abri du vent, on est sur un terroir plus précoce que les Longerois. Le caractère du Clos du Roy est un peu plus froid. Et ça, c'est vraiment le calcaire plus dur qui vient complètement contrebalancer le côté chaleureux du climat. Donc, vous voyez, là, on comprend vraiment qu'un terroir, ce n'est pas qu'une donnée géologique, pédologique, c'est également plein d'autres facteurs qui viennent en comparaison. Et donc, le Clos du Roy a généralement un petit peu moins de couleur que le Longerois. Le Clos du Roy est souvent un vin qui va attaquer un petit peu moins sur la largeur. On sent tout de suite qu'on va partir sur un vin qui est un peu plus filiforme, souvent très griotte, voire un peu fumé sur les Clos du Roy, alors que le Longerois est souvent plutôt sur le fruit noir, voire sur des arômes un peu plus sauvages. C'est les deux voisins, c'est les deux climats, deux des climats les plus reconnus de Marsannay. Ils sont voisins, mais ils ont vraiment une dualité entre ces deux climats. Ils sont proches, mais pas tant que ça.